Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFA, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Savez-vous quelle est la meilleure carte, la carte préférée des top players? Vous ne le savez pas, vous allez le savoir d'ici quelques instants. Avant toute chose, comme d'hab, vérifiez que tout va bien. Vérifiez que tout va bien, que vous êtes bien abonné à la chaîne et que vous avez cliqué sur la petite clochette. Le meilleur moyen de recevoir mes vidéos chaque jour à la bonne heure, vu que des fois les heures ne sont pas toujours les mêmes. Donc c'est bien d'avoir les petites notifs. Ça étant dit, on va retrouver Xadjian aujourd'hui. Xadjian, en fait, c'est un joueur allemand. Vous savez, il y a eu la CR League, la World CR League. Donc c'est un tournoi qui affronte différents pays avec une sélection de joueurs. 10 pays pour la France, 10 pays pour l'Allemagne, 10 pays pour le Mexique, 10 pays pour le Canada, etc. etc., etc. Et il y a eu France à ça a été diffusé sur Twitch et je sais plus où d'ailleurs, et il y a eu un 6-1 pour la France, donc GG les Français, très belle équipe, très sympathique, et il y a un joueur qui a tenu tête pour l'Allemagne alors que les autres avaient un peu plus de mal. Ce joueur, c'est celui-ci, c'est Xadjian, 4324 trophées actuellement en début de saison, avec un record à 5160, avec 124 000 cartes, 168 de gagner en défi ou super défi, donc et qui joue un deck cochon, parce que la carte préférée des top players, c'est le cochon, je vous le dis. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez un commentaire et dites-moi quelle est la carte préférée top player, mais le cochon est réputé pour être technique, pour être le skill, pour être machin. Il n'y a jamais un gars qui vous dire ouais, pas de skill, tu joues cochon. Non, ça n'existe pas dans le milieu, en tout cas pas dans toutes les méta qu'on a connues, et encore moins l'actuel. Donc voilà, on va lui dire go tout simplement. Excusez-moi, je dis go. Voilà, je vous invite à checker son Twitter au passage, qui est en description de vidéo. Voilà, donc vous pourrez lui poser des questions en anglais, puisqu'il est allemand, donc il parle pas trop français. Oui, il a reçu le go, c'est parfait. Allons-y. On va découvrir ces games donc, qui se passeront en super défi a priori. Voilà, on a eu du mal à tourner cette vidéo puisque j'étais perturbé par les bombes, par ci, par ça, par machin, par plein de choses. J'espère que ça va, cette fois-ci sera la bonne. En tout cas, si vous m'entendez, c'est que c'est la bonne. Sinon, c'est que il s'en est passé d'autres depuis. Alors, cochon direct d'entrée de jeu, boum, un coup, allez. Et non, pas de deuxième. Allez, c'est un coup, c'est pris, c'est déjà c'est fait. Alors, fournaise. Alors oui, là il a zappé la fournaise, enfin les esprits de feu plus la méga gargouille, ce qui est pas mal, ça permet de gérer la méga gargouille et la fournaise, enfin et les dégâts que ça allait faire, donc ça fait double emploi, c'est pas mal. Zapper que des petits esprits de feu, ça serait un petit peu débile, il faut le dire. Néanmoins cette fournaise va être un peu gênante pour le cochon, et on va voir comment il s'en sort. Alors il y a aussi barbare d'élite dans le deck, comme vous avez pu le... Bah non, vous n'avez pas encore pu le voir, donc je vous le dis, il y a la boule de feu aussi. Boule de feu, barbare d'élite, ouh, cimetière, comment il gère le cimetière, ça j'ai pas vu, tiens, voilà, ah petit, voilà, très bien. Très bien, des petits... Ah, attention à la boule de feu maintenant. Ouh, tout souvent là, ça peut être dangereux. Non, ça va très bien, c'était fin de vie du cimetière. Un barbare d'élite tout seul. Il envoie le cochon, il a le zap. Non, pas de zap. Il a dû être utilisé avant, déjà ce zap. Ah bah, ah non, ouf, petit décalage là. Ah, petit décalage. Donc il a zappé tardivement. Il n'aura pas de coup de mousquetaire, ça a été bûché. Bien joué en face quand même. Allez, petit cotillon bleu. Et on va voir comment ça se passe. Alors, si vous aimez les decks agressifs, c'est ce type de deck qu'il faut utiliser. Donc, c'est des decks vraiment... alors, on va voir aussi, ça dépend un peu ce qu'il y a en face. Mais c'est des decks qui tournent très vite. C'est des decks où on enchaîne, on est obligé de défendre. C'est des decks où quand on défend et qu'il reste une troupe posée, généralement, on va renvoyer tout de suite quelque chose avec pour agrémenter, pour faire un contre-push, du style cochon, du style barbare d'élite. Le golem de glace qui aura utilité offensive ou défensive aussi pour faire tourner les troupes. Là, alors, je pense que là, ça sera peut-être plus de l'offensive, j'imagine, sur ce... Sur du deck géant en face. Alors attention, c'est parti, il part sur la droite maintenant. Hop là. Là ça va mettre, oui bien joué. Là le zap est bon. Du coup il y a pas mal de petits coups de cochon, ouais c'est parfait ça, c'est parfait. 4 coups de, non, 3, j'allais dire 3,5 3,5 coups de cochon. La défense sur le géant avec les barbardines, c'est parfait. La défense du cimetière avec les petites gargouilles, c'est parfait aussi. Attention à la méga. Non c'est bon, et là il est plein d'élixirs, donc ça c'est parfait. Donc il a le temps de se constituer un bon push avec petit esprit de glace plus cochon, le zap derrière, boum, parfait. Alors, un squelette prêt, c'est bien, ça met 2 coups et ça met 3 coups même, donc c'est parfait. 2 fois 3 coups, vous savez où on est à 354 PV. Donc prochain push, ça tombe. Et il a bien sûr boule de feu zap, ce qui doit peut-être être suffisant pour terminer 354 PV, je crois. À vérifier, c'est peut-être pas sûr, on va voir, ou peut-être un chouïa qui manquait. Alors il y va au cochon. Ah, attention, 7 secondes de la fin, voilà, la défense va être bonne logiquement. Petit zap, ou qui prend aussi ouais non, je pense que la boule de feu suffira pas en fait là, tout clairement là, donc il faut qu'il aille avec autre chose. Donc alors voilà, ou alors c'est prochain tour. Alors là c'est parti, il y va. Là normalement il y a moyen de mettre un coup de cochon, à moins qu'il y ait une fournaise. Non, voilà, boule de feu plus le cochon, c'est parti. Un coup de cochon et la boule de feu et ça passe. Donc c'est bien joué, première game, première victoire, tout va bien.
Vous avez vu, un style très frais. Donc après, voilà, si vous aimez plus les jeux posés, rechargés, tranquillement, non, là, vraiment, vous spammez. Alors, imaginez ça en élixir x2. Ah, les reines sauvages, cool, tiens, j'aime bien être un peu dans la reine sauvage. Ça fait plaisir. Donc, si vous aimez les défis x2, effectivement, là, sur les decks comme ça, là, ça va... Enfin, si vous aimez... si vous aimez pas que ça spamme, ça va spammer, quoi. Alors... Petit... Ah, il retombe sur encore une fournaise. Alors, est-ce que ça sera un géant encore? Est-ce que ça sera autre chose? Ça peut être du grattage mineur avec roquette ou je sais pas. Ou poison mineur. Ah, boulisse. Ouais, je pense que ça sera plus un deck grattage. On va voir. Je suis pas sûr. Pas sûr. On va voir. On sait pas encore. Ça peut être encore un deck géant bouliste. Alors, pour l'instant, le bouliste. Ouais, c'est pas. Je pense que. Ouais, non, ça va pas être. Trop dérangeant. Alors, méga gargouille. Ah, là, c'est bon. Là, il y a un bon petit push qui arrive. S'il a pas eu le temps de recycler ça. Fournaise, c'est bon pour lui, je pense que c'est le cas. Donc il n'y a plus le boulis, il n'y a plus la fournaise. C'est parfait, ça met les coups qu'il faut. 1197 PV. C'est un bon début. Alors attention, qu'est-ce que c'est que ce contre? Ah non, c'est un, voilà, c'est un deck cimetière. Ok, fournaise, cimetière, boulis. Ok, donc un boulis cimetière. Et avec la boule de feu aussi. Donc là, va falloir faire gaffe. Là, il a pas de petit zap, quelque chose là. Ouh là là, ouais, dur. Il a encaissé les coups, il a fait le choix d'encaisser les coups. 100%. Pour pouvoir construire ce push, il lui manque un d'élixir, il y va, il a tout mis, vous avez vu, donc là, pas d'économie, hein. On y va, faut pas que ça se plante, et faut pas que l'autre en fasse, ah ouais, non, très bonne défense, là. Eh ouais, très bonne défense, zéro coup de cochon, et là, il est un petit peu à plat au niveau de l'élixir, l'autre repose une fournaise, attention, là, les bonnes, des bons esprits de feu, il risque d'avoir un cimetière qui tombe, en tout cas, le boulis même à lui seul, va faire mal, c'est pour ça qu'il est esprit de glace maintenant, voilà. Et il est déjà tombé à 385 PV. Il est obligé de mettre une mousquetaire pour ne pas sacrifier sa tourelle tout de suite. Il va peut-être pas se faire ouvrir. En tout cas, il décide de défendre. Bon, c'est le cas. Maintenant, comment se positionner? Avec, alors, un golem de glace qui passe, qui part sur la droite. Pourquoi donc? Y a-t-il quelque chose qui va tomber? Oui, il y a un cimetière qui va tomber. Rien n'est anodin. Et ouais, là, ça commence à... Oh là là, très bon cimetière. Oh, qui fait très mal. Qui fait très mal, ce cimetière. Oh, la boule de feu aussi. Oh là 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 là. Il y a deux tourelles à mocher. Le cochon qui est passé, lui, de son côté. Non, oui. Ah là là là, ça va être très compliqué. 42 secondes. Là, il faut aller chercher une tour pour aller en chercher en plus une deuxième. Ouf là là, que ça va être compliqué tout ça. Surtout que là, il subit un peu. Boule de feu sur la fournaise et la tourelle. Là, il a plus trop de temps. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que je vois pas comment il va pouvoir défendre derrière. Après, les 385 PV restants. Surtout que l'autre a cimetière, boule de feu. Hein, une carte qui n'a pas été dévoilée. Qu'est-ce que ça sera en plus? Nous ne savons pas. Non, là, ça paraît cuit. Au moins, il se bat jusqu'au bout. Aïe. Petite mousquetaire. Ouais, il ne prend pas les dégâts. Il égalise. Mais là, voilà, maintenant derrière. Oh là là, ouais, là, 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 il faut vraiment. Un épique comeback, vous y croyez ou pas? Alors je pense que l'autre est en train de... Non, non, voilà, il a préparé un cimetière. Alors, ça sent la boule de feu, ça sent la boule de feu, bonne boule de feu. Hop, le zap, ouille, 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 les petits archers. Oh là là, en tout cas, il se bat. Il n'a pas pris le coup qui le termine, mais il est mort à la prochaine boule de feu. Il tente les barbares d'élite. Oh là là, là 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 là, non, c'est compliqué, ça passera pas, ça. L'autre a le temps de recycler sa boule de feu et de l'envoyer, logiquement, c'est fini. Ah, c'est une lose qui fait mal un peu, qui fait mal un peu. On va regarder encore les prochaines games, voir comment il s'en sort. Ok, je lui dis, on va voir s'il est toujours là. Allez, c'est parti. Voyons voir comment ça se passe. Hop là. Alors, il est contre Aeron Esports, King of Army, c'est Titi. Alors, on est repassé dans l'arène légendaire, qui est beaucoup plus clair, du coup. C'est vrai que l'arène jungle, l'un des défauts, c'est que c'est très sombre. Donc, elle est belle, mais elle est sombre. Alors, Baril, c'est zappé? Oui, c'est zappé. Donc, bah, il y a du zap bête en face, a priori, là, puisqu'on voit des cartes qui ressemblent. On a vu le Baril, on a vu la horde de gargouille. On va peut-être voir une princesse. Ah, en plus, il y a de la fournaise. Et... Ouf, voilà, bien joué, ça c'est de défense, bien joué. Qui a détourné parfaitement les petits esprits. Ouh, double fournaise. Ah oui, c'est le... Ah bah, c'est le Zabbet miroir. Ah oui, qu'on voit souvent en ce moment. Alors attention. Comment va-t-il passer là-dessus? On ne sait pas. Allez, il est obligé d'encaisser les dégâts, il va être obligé de zapper ici, logiquement... Non, il le zappe pas, il garde son zap, du coup.
Alors, peut-être qu'il veut garder son zap pour l'armée de squelettes. Lorsqu'il devra push avec soit son cochon, soit avec barbare d'élite, on va voir. Là, il poste avec le cochon, donc il a encore son zap aux mains. Ouais, oui, il a utilisé, je sais pas, non, je crois qu'il l'a encore. Voilà, tac. Ouh, par contre, là, ça se fait bûcher, ça. Oh là, c'est bien joué en face. Que c'est bien joué. Allez. Double fournaise, allez. On est encore bien, on est encore bien, il n'y a pas eu de dégâts, balle au centre, il faut trouver la bonne rotation, il se prend une boule de feu qui a de la valeur, c'est bien. Pour son mec, pour son opposant. Allez, c'est parti, il va tenter. Barbare d'élite cette fois-ci, avec golem de glace, il y en a un qui part tout droit, attention, bon zap, oui, magnifique zap, qui a tout pris tous les squelettes. Les deux partent frontal, et là, c'est le très très joli move qui va faire tomber la tourelle, c'est parfait. Voilà, très bon geste. Là, du coup, pareil, il va remettre les petites gargouilles pour préserver son zap contre l'armée de squelettes pour faire passer soit ses barbardés, soit son cochon. Donc voilà, ça c'est parfait. Là, dommage pour ses petites gargouilles. Du coup, le push au cochon. Là, ça devrait taper. Oui, un coup, deux coups. Voilà, deux coups. Ah, même un troisième. Ah, super, le petit troisième, il fait du bien. Il fait vraiment du bien. 40 secondes de la fin. Alors, séparation. C'est pas très gênant, j'ai envie de dire. C'est pas très gênant, c'est tant mieux pour lui, ça. Alors, est-ce qu'il a un golem de glace à placer? Oui, donc ça sent les barbares d'élite, je pense. Non, cochon. Ok, d'accord, cochon. Là, je pense qu'il passera pas. Ah, peut-être avec la boule de feu. Oh, joli, joli. Oui, peut-être un coup de cochon. Bien joué. Bien joué. Alors, attention, là. L'armée de squelettes qui arrive. C'est pour l'égalisation, je pense. Et il n'y aura peut-être pas égalisation, 719 PV. Là, il peut se contenter de défendre. Ou alors, effectivement, l'offensive. Bah c'est quand même un deck offensif, donc au mieux attaquer. Boum, voilà, encore un coup de cochon, deux coups de cochon. Et c'est parfait, donc même s'il perdait sa tour, il revenait, enfin je veux dire, il terminait avec la deuxième. Grosse avance, très bien, The Last One. Voilà, on va attendre. Voilà, alors c'est parti, il a trouvé son opposant. Allons-y, c'est qui? Boyer and New York Koreans. Allez. Let's go, cotillon bleu. Ça donne envie de jouer cochon, on va rajouter tout de suite. Hein. Pour ceux qui jouent sur émulateur, cochon oublié, c'est tellement compliqué quoi. Là, il faudra des bons petits doigts là. Ça donne envie de jouer cochon quand même quand on voit ça. Hein. Mais c'est quand même pas simple, hein. Vous voyez. Hein. Vous voyez que là, quand même, voilà, c'est pour ça que c'est des decks techniques, c'est pour ça que c'est des decks émulateurs, parce qu'il y a beaucoup de réflexions à avoir à un moment donné. Voilà, quand on se tape une fournaise, quand on se tape autre chose, il faut changer son cycle, il faut changer sa façon de push. Là, voilà, ballon, voilà, là, hop. Là, y'a quoi? Y'a pas les petites gargouilles? Ah non, y'a rien. Ah si, elles sont là maintenant. Oh là là. Ça va mettre du dégât. Attention, là, le deck aérien qui peut être compliqué. On va voir. Ça peut être compliqué. Ça dépendra. Là, c'est bien. Là, ça. Ce qui est bien, c'est qu'il a pu mettre des dégâts quand même avec sa mousquetaire. Il a une tour, malheureusement, qui est très fragilisée. Le cochon, le golem de glace devant. Voilà, juste, si c'est juste une défense avec les gargouilles, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah là, attention quand même à ce sorcier de glace qui va bien freiner, qui va pas laisser mettre un troisième coup. Bonne défense à la méga gargouille au sorcier de glace. Et du monde derrière maintenant en retour. Et logiquement, bon, si c'est un deck... Ah non, c'est un deck effectivement... C'est pas un deck molosse a priori, je pense pas. Hein. Non, c'est le deck effectivement... Golem de glace ballon, hein, tout simplement. Là, comme on voit aussi, très agressif, qui fait très mal. On l'a présenté sur la chaîne, je crois, avec Oua le Ouf, qui a fait d'énormes résultats avec... Et d'autres encore hein, qui en font encore actuellement, là, qui gagnent des tournois avec ce type de deck. Donc gros deck en face, tout dépendra maintenant du skill. Qui sera le meilleur? Qui sera mieux exploité son deck? Le cochon est parti, golem de glace qui passe devant, c'est parfait. Vous avez vu, mi-chemin à chaque fois, il le met sur sa lane pour que ça tombe pile poil. La petite boule de feu, ça permet de mettre un coup quand même. Donc c'est bénef. Attention maintenant. Là, le fameux push, il y a beaucoup de choses à gérer là. Et c'est là que c'est pas facile. L'esprit de glace était le bienvenu. Les petites gargouilles parfaites. Il y a quand même eu un coup de ballon sur la bombe. Mais j'ai envie de dire que ça a été quand même correctement géré. Attention. Hein, parce qu'il a quand même maintenant deux tours fragilisés. Et lui, il en a fragilisé qu'une seule. Et encore pas tant que ça. Donc là, bonne boule de feu. Oui, superbe. Là, ça va tomber. Et ça, c'est un avantage quand même, malgré tout. Voilà, important. Voilà, ça c'est très bien parce que maintenant il a 30 secondes pour aller mettre la pression à droite. Il doit mettre cette pression à droite pour pas que l'autre continue à être à une boule de feu zap des deux tours. Voilà, superbe là. Vraiment superbe. 1200, donc il a vraiment retourné la situation. Attention maintenant, une défense importante ici. Et il faudra surveiller la droite en même temps. Voilà, faut pas que ça tombe. Ça
tombera pas. Super. Donc 600, 400, vous avez vu, hein, il est... Non, non, il est bien, il est bien. Logiquement, il est bien. Voilà, il continue la pression. Très bien, très bien. C'est ce qu'il faut faire. Obliger l'autre à défendre. Voilà, c'est parfait. La boule de feu. Et voilà, il n'a pas le temps. Donc, superbe stratégie. Et donc, la vidéo, du coup, se finit sur un score de 3-1. Voilà. Donc, ce qui est très, très honorable. Vous avez vu, c'est ce qu'il est. C'est beau. C'est le beau jeu. Donc, je vous invite encore une fois à checker le Twitter en description de vidéo de Xadian. Un très beau joueur. Je vous remets son profil. Je vous remets le deck. Voilà, le profil comme il est beau. Carte préférée, le chevaucheur de cochon. Et bien sûr, un deck à 3.3 si vous voulez l'utiliser. Et bien, l'avantage, au moins, c'est qu'il n'y a pas de légendaire. Voilà, c'est un deck de petite arène. Voilà, donc, vous pouvez jouer à toute arène. Il y en a qui me disent, hey, tu peux pas me faire un deck dans la nuit de tête machin, bah là vous avez tout ce qu'il faut à part le golem de glace à vérifier où on le chope déjà. Bah je pense que logiquement c'est au sommet glacé hein, si je dis pas de bêtises hein. Donc mis à part non, donc voilà, donc vous êtes bien quoi, vous pouvez le faire, donc allez-y franchement gaiement et dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu des familles pour soutenir. Si vous appréciez le contenu, il faut le soutenir, il faut être actif, soyez des abonnés actifs, c'est important. Commentez, partagez, mettez des pouces bleus, exprimez-vous, même si c'est pour une critique, mettez-la en commentaire. Et moi je vous dis à très vite, ciao ciao.